Bonsoir tout le monde, bienvenue à Old Trafford, connu aussi comme le théâtre des rêves. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. Et nous allons vous faire vivre toutes les émotions de ce match. Sacrée atmosphère en tout cas, on est servi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de la team Dada. Mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire, hein. C'est le premier ballon dans ce match. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Ronaldinho. Ah, la frappe part plutôt bien. Avec la gardienne là qui capte son propre pour ce ballon. Excellente intervention. Ça sort en touche. Rosao termine. Ana Vitória. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui avance, balle au pied. Zidane. Bonnati. C'est contré. Rodrigo De Paul à la réception. Oui, il y a un bon centre. Attention. Attaque. Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et regardez cette conclusion, la reprise des volets en pleine course. Heureusement que personne ne la touche, hein. C'est un missile ce ballon. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ana Vitória. Ah, c'est bien parti. Encore une chance. Oh là là, le nouveau but. Quelle équipe, quel réalisme. De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et ça finit en 2-1. C'est imparable. D'abord on fixe, ensuite on conclut. C'est parfaitement négocié cette séquence. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ronaldo. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Oh, attaque la poulie, l'arbitre fait signe de continuer. Et il faut laisser le jeu respirer. Le football, c'est pas un sport de fonction.
Et là, ça passe largement à côté du cadre. Tu peux frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Rodrigo De Paul. Et Zidane qui s'interpose sur ce duel. Ouh, la frappe. Et c'est finalement sans danger pour la garde. Aspilicueta. Gabriela Garcia. Le ballon change de camp. Il y a du soutien en attaque. Rodrigo De Paul à la réception. Mataus. Lothar Mataus pour Ronaldinho. Zidane. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Gabriela Garcia. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Ah, et l'intervention de Mataus pour reprendre le ballon. Ronaldo. Et le face-à-face à venir. Pour réflexe, mais le ballon est repoussé. Ah, le ballon sort en corner. Corner de Messi. Et ça joue avec Messi. Ah, le ballon qui va changer de propriétaire. Ben voilà, le coup de sifflet donc pour la mi-temps ici à Old Trafford. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ah oui, le duel est remporté. Touche. Ah, c'est très bien défendu. Ça sort en touche. Et c'est joué par-dessus. Ballon capté sans problème. Judith. Cannavaro. Ouais, la belle passe par-dessus. Cannavaro. Zidane. Il y a danger là. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué vu la trajectoire de cette frappe. Aspilicueta.
et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Aitana Bonmati. Et non, le ballon est perdu là. Et ballon en profondeur. Un ballon bien reçu dans la course. Et c'est dommage. Et garce creuse un peu plus avec ce troisième but. Regardez, tout va très vite en cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et tu finis par le dribble dans la cabine téléphonique. Tout en douceur, un vrai bonbon. Et avec ce but inscrit, ça fait 3 buts à rien au tableau d'affichage. Wow, quelle intervention là pour récupérer ce ballon. C'est un ballon intercepté. Il y a du monde là, quelques possibilités. Voilà, changement donc. Excellent, le geste défensif là. Ball. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Bonmati. Mataus. Ronaldinho. Ah, il revient provoquer à l'intérieur. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Faute, et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Et oui, on peut le marquer comme ça aussi, les coups francs. Une frappe enterrée du pied qui passe par-dessus et vient se loger dans les filets. Pas besoin de sortir tous les effets. La simplicité du geste, ça suffit cette fois-ci.
Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Ronaldo. Et le ballon sort, l'arbitre indique le poteau de corner. Il est bien frappé ce corner. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. Et une bonne contre-attaque peut-être. Attention, ça peut payer là-dessus. Pas d'intervention pour éloigner le danger. Une possibilité là pour centrer. C'est bien fait pour éloigner le danger. Cruyff. De l'espace pour Cruyff. Et on en reste là donc pour cette rencontre. Un bon match de l'équipe en déplacement qui s'impose. Un succès assez net. Ces deux buts d'écart, ça donne une idée agréable de leur prestation aujourd'hui. C'est le premier ballon dans ce match. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Oui, il y a un bon centre, attention. Encore une chance. Oh là là, le nouveau but. Quelle équipe, quel réalisme. De quoi les rapprocher encore plus de la... Et là, ça passe largement à côté du cadre. Tu peux frapper. Pas... Et le face-à-face... Et le face-à-face à venir. Ronaldo. Ouh, il y a danger là. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certes. Et c'est dedans. L'écart se creuse un peu plus avec ce troisième but. Ah, il revient provoquer à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est bien frappé! Ce coup de pied arrêté fait mouche! C'est le premier ballon dans ce match.